Je passais et puis j'ai vu ça. Alors, comme je vous avais fait la proposition, la promesse de faire des vidéos toutefois qu'il y aurait un changement, alors j'ai jugé que cela ne passe pas inaperçu. Il faut que je vous montre ça aussi pour que vous sachiez qu'il y a du boulot ici. Voilà, il y a beaucoup de travail qui se fait ici. Voilà. Je pense que chaque fois, on va faire des vidéos pour vous montrer l'évolution des travaux. Suivez le développement de la Côte d'Ivoire exclusivement sur la chaîne Mister B. Voilà. Vous voyez tout ça. La voie principale se trouve là-bas, comme j'ai l'habitude de vous le dire à n'importe quel moment. Lorsque je me rends ici. Il y a la tour F. Vous voyez la tour F. C'est tellement zo. Vous voyez. Qui aurait cru? Vous voyez le remblayage ici. Les travaux se poursuivent là. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est que même, vous voyez, ici même le remblayage a été fait, mais ça va continuer. Le remblayage que vous voyez ici là. Ça va continuer jusque là-bas. Et ça, c'est la première couche. Deuxième couche. Troisième couche. Là, vous voyez la troisième couche. Donc, ici, il va y avoir une deuxième couche. Et ensuite, une troisième couche. Voilà. Comme vous le voyez. Ouais, non. Ici, personne ne pensait que cette partie-là et ce quartier allaient être un jour comme ça. Qui aurait cru? Waouh. D'ici quelques années, ça va véritablement changer. Ça va changer entièrement. Vous voyez là?
toute cette partie a été remblayée. Voilà. Vous voyez. Le quatrième pont d'Abidjan. En toute sérénité, voilà, bon les gars, je pense que vous avez pu voir à travers cette vidéo l'évolution des travaux, le remblayage principalement qui se passe ici. Voilà. Veuillez laisser vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce travail colossal. Et puis... voilà. Moi, je vous retrouve dans une autre vidéo pour plus de détails ici en Côte d'Ivoire. Merci, portez-vous bien d'ici là. Prenez soin de vous. Yam, Mr. B.